Forêt Zalamette. Bonsoir mesdames. Bon madame, s'il vous plaît madame, parce que voilà la dame. Voilà madame. Attendez, mais je suis allé, je suis allé. Qu'est-ce que ça va mettre, je suis allé, madame. Hâte, voilà, mais c'est ta faille, t'es déjà. La culture, c'est pas mon truc. Non madame, je respecte les femmes. Je les aime d'ailleurs. D'ailleurs, pour vous dire à madame, qu'au début, je voulais tromper ma femme, avec le temps offert des manières où je me suis trompé de femme. Non, mais j'aime ces femmes. Hein. D'ailleurs, pour vous dire madame, c'est fini la fuite en avant vers le passé. Hein. Ma devise est simple. Chacun pour soi et deux pour tous. Bref, je vais entrer directement dans le vide du sujet. Parce que, je vous dis non, sincèrement, hein, jamais, au grand jamais, je commence mon spectacle à l'heure. C'est lancé à 19h. Je sais pas si ça madame. 23h30. Qui était mieux? Nerdy ou Tian? Mais je suis là pour ça. Madame, ça va, concentrez, madame, concentrez. Je suis là. Waouh! C'est la première fois qu'il est sur le sol. L'heure, ça a l'importance. Waouh! Il est 8h moins quart. Donc, je ne commence jamais mon spectacle à l'heure. C'est clair, c'est un vice. Ouais. Non, madame, c'est un vice. Khdma retard exprès. Je sais, blé, d'ailleurs, à Montréal, au Canada, time is money. Et bien, qui est en Algérie, time is money. Non, non, le temps, il n'a rien avec l'argent. Rien à voir avec l'argent, rien d'indiqué. Non, il faut être clair, madame. Je suis pas là, tu as chauffé des cannes. Tu as commencé à chauffer des titres. Balak, balak, attention, madame, on va se lever. Tu as commencé à être là, madame, tu as commencé à. On se calme. Ok. Donc, je ne commence jamais mon spectacle à l'heure. C'est un vice. Tiens, par exemple, madame. J'ai mis par exemple à madame. Et où je suis qui ton cachette pour. Pardon, je suis en mode. Blâme-moi ça. Waouh. Voilà, madame. Je suis en mode là, ce qui est fait parce que c'est un vice. Un passe-temps. Je dis non. Non, 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 non. Plus qu'un vice, il y a un passe-temps. C'est un plaisir. Ouais. J'adore donner des rendez-vous aux gens. Non, je suis sérieux. Mais je suis en retard. Ouais. C'est dans le sang. Et c'est héréditaire, ouais. Non, mais chacun se fait, parce que on va expliquer certains termes scientifiques. Alors, c'est quoi l'hérédité? L'hérédité, selon le dictionnaire Larousse, n'est la blonde, n'est le dictionnaire achète, n'est n'achète pas, c'est pas mon problème. C'est la transmission des caractères génétiques d'une génération à une autre génération.
donne un exemple pour être clair et précis. Ok. Concentrez bien, madame. Cette femme de bien, l'hérédité, c'est quoi? Par exemple, ma madame, ça est Vevem. Vevem, ou y terwera, incapable d'avoir des enfants. Chimini, en tant que fille, a chibout de Vevem, ou tsarwotara. C'est désespérant à l'entrée. J'ai mis 4 ans pour écrire ce texte, mais je m'étais dit la fin. Nous avons cette tendance en Algérie. On mélange les choses. On saute du coq à l'âne. On mélange les Turcs avec les Soviets. Non, rien à voir. La logique, c'est un rapport avec la génétique. Écoute, quand j'ai le mal à la logique. La logique, bon. Oui, ici, c'est un pays capitaliste. Ok. On adore une ferme économie. Ok. Écoute, c'est vraiment des choses de la logique. Madame, il te rapporte à Badina, Grané, à Rabbi, parce que c'est un mal. Et à Karopi, ma Charles, il est un Karopi, ma Tassi. C'est insupportable, madame, c'est affaire. On se concentre d'ailleurs. Alors, retard, c'est la dernière fois. Moi, j'ai comme dit, fais-y, parce que retardataire, t'as eu un poste en Algérie d'office. Air Algérie. Alors, la logique, c'est quoi? On se concentre. Un kilo de sucre et 2 litres de lait donnent la même satisfaction que 2 kilos de sucre et 1 litre de lait. L'homme est rationnel. C'est un homo economicus aiariolus. S'il veut consommer davantage de lait, l'utilité marginale que lui apportera ce surcroît de consommation baissera. Donc inversement, le fait que l'utilité marginale qui le retire d'une consommation moindre augmentera, si l'individu veut consommer 2 kg de sucre et 2 litres de lait, il tirera une satisfaction supérieure à celle qu'il tire des combinaisons précédentes, puisque 2 kg de sucre et 1 litre de lait représentent une quantité supérieure à 2 kg de sucre. Ah, carabin, là, qu'est-ce que tu veux me faire, Marc? Très grand, parce que ça m'énerve. Je vous conseille, madame, elle est avec Borghese, maintenant. Mais il y a des disputes, fantamie. Il suffit d'avoir une mallette en taille. Il y a la parole, il me dit, d'accord, t'as été en France, tu vois. Rien de ça. Ça se lâche. Ok. Adam Sven, non, slow, Adam Sven, de chou. Tabarnak! On se dit. La logique, c'est quoi? Et c'est mort là, en Algérie. Où il y a un écran, il faut qu'on écran, il y a une écran parce qu'il y a la carte militaire. Où il y a un écran, il y a la carte militaire, il y a une écran parce qu'il y a un écran. Mais je sors de la carte militaire, il faut que le minimum soit de foucham. Mais je sors de foucham, il faut que je sors de la carte militaire. Bon, mais je compte faire mon blé. C'est un vice. Point pas. C'est un vice. Le vice est inondoyeux. Je donne le rendez-vous aux gens et je les laisse attendre. Mais attention, hein, au début, c'était pas facile. J'étais amateur. Démarrer amateur, oui. On démarre mal dans l'amateur. C'est clair, madame. Même si je suis médaillé, on ne sait démarrer. Mais regardez-moi ça. Déjà, ça se voit.
On n'a rien dit. Ouais. Non, mais il faut quand même applaudir ces gens. Merci. Donc, Salam Aïdesh, ouais, super. Salam, ils sont rendus les Allemands. Ouais, le sourire, regarde-moi ce sourire. Ouais. T'as donné de la publicité, t'as donné de la je suis rentré comme brosse à brosse à dents. Ok. Applaudissez. Merci. Eh bien, au début, les amateurs, l'Echtma retard de 5 minutes. Après, c'est l'Aqal, on l'ira 5 minutes. Après, on l'ira 1 heure. Après, c'est le Khadma. C'est le sérieux. C'est la persévérance. Et bien, on va l'intoxiquer. On l'a dépassé à 48 heures. Et pour vous dire que des fois, c'est des crises. Mais tu fais une crise. La crise, c'est des crises. Ah oui, des fois, quand je fais une crise, je donne des rendez-vous à 100 personnes avec une heure d'intervalle. C'est juste ça, oui. Et on les a appelés à l'habitat intelligent. Il est soi-disant tu as fixé un rendez-vous à 100 personnes. Et on est 100 000 ou 10 ou 100 000. Je me dis, non, c'est à 100. Il est 99 000 qui te met là, mais il est 100 000. Je me dis, oui. D'ailleurs, j'ai fixé. Il y a un spectacle, tu vois, avec Québec, c'est à ça. J'ai tout mon temps. Voilà. Déplacé ici, dans le sens. Je suis déplacé, je suis allé. Je suis allé, je suis allé. Je suis allé, je suis allé. Je suis allé, je alors, revenons à nos moutons. Et bien, le soir des crises. D'ailleurs, je me rappelle, un jour, j'ai donné un rendez-vous à Younou Dakliou. C'est un écrivain. Enfin, c'est un pseudo-écrivain. Il s'agit d'ignorance encyclopédique. Il est borné tellement, il a même dépassé les bornes. Hein. En plus, il a été journaliste. Il a réussi à vendre 3 articles dans sa vie. Son briquet. Son ancienne montre et son slip rose. C'est délimité. En plus, il zoucho, il entourage Inus, il a Ebert Marissen, Karak Belleo, il souffre d'un livre au marché. C'est un best-seller, traduit en 30 langues. Trop ça, c'est une seule traduction. C'est d'être traduit en justice. D'ailleurs, madame, il a 4 caractères. Maximum fil. Le premier caractère, c'est celui qu'il a. Le deuxième caractère, c'est celui qu'il montre. Le troisième caractère, c'est celui qu'il doit avoir. Le quatrième caractère, c'est celui qu'il n'aura jamais. Eh bien, Jirt, il t'a 162 heures. Est-ce que je m'en fous comment? Maximum fil. Mais après, il faut qu'il commence, ouais. Il faut ça va. Il y a une semaine, hein. Yo, je te saute. Il y a une semaine, hein. Je suis allé parce qu'il fumait au lit. Et ben, il y a comme des pompiers, mais c'était trop tard. Donc, on aurait pu faire brûler. Il m'a noyé par les pompiers. Les mémis ont fait l'autopsie parce que je suis allé. Mais pas ça. Bon, mesdames, messieurs,
Je me présente parce que Ferrex va me présenter. Parce que je suis en fait une misguinée, ma doute. Donc, je me présente. Je quitte la haine, il faut dire, mais ça l'a dit. Ouais. Et c'est aussi ta madame de Chahda. Et quand elle sera la vie de Chahda, tu sais, la haine, il faut mort, il faut Chahda. Qui Chahda, il donne son sa madame. Ouais. D'ailleurs, Salamit, ni allumette, selon le dictionnaire de Russe, ni la blonde, ni le dictionnaire achète, non, n'achète pas, c'est pas mon problème, madame, c'est un nom féminin. Moi, je suis masculin. Enfin, presque. C'est une petite tige en bois, ni en chair et en os, l'extrémité, c'est-à-dire la tête, fabriquée par une matière inflammable, ça pour parler. Ça, c'est. Ça va pas mieux. Non, je ne m'en parle pas pour aider. Moi, je vais vous dire, ma naissance. Ouais. Mais qui dit déjà ma naissance est bizarroïde. Malformation pathologique. Je suis un prématuré. C'est pas chaud. J'étais pressé de sortir. Mais après, une demande. Ah ouais, j'ai essayé de rentrer, mais ah ouais, Et qu'il a que poupé. D'ailleurs, ce métier-là, qui c'est un grand événement, il y a peut-être d'artifice. Là, je suis venu à l'ULAG, je suis venu à l'ULAG, je suis venu à l'ULAG, je suis venu à l'époque, tu as l'air de chez lui, ce métier-là, qui avait la canicule, 45 degrés à l'ombre, tu as l'oiseau incendie et un tremblement de terre. Ah, je suis important ce métier-là. Ah, ouais. Voilà. D'ailleurs, ce métier-là, il y a madame, ou fille, mais n'arrange, c'est-à-dire, la femme est marrassée, l'alerte, hein. L'alerte. D'ailleurs, tu sais, on a des années faciles, on a des années tarnées, on a des courroyées, ils sont rien compris. D'ailleurs, je disais, mais ça y est, c'est un ouvrier, c'est un extraterrestre. Non, mais que, à l'époque, déjà, je pratiquais le yoga. Parce qu'il m'a fait que ça fait Nouga. Nouga, yoga, enfin, c'est des nids d'offres avec le texte. Bon, on va travailler ça après. Mais à ce métier-là, j'avais les yeux bleus. Vous trouvez une tarac mieux? Et parce que l'oulard est d'ailleurs. Parce que le coulard est d'ailleurs d'abondir. Les yeux bleus.